Salut les gens, on se retrouve pour le deuxième épisode de Far Cry 2. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on venait de libérer notre pote, que je déteste. Regardez-le. Bon, bref. Ok, j'ai pas besoin de seringue et on continue. On va faire une vidéo de 20 minutes par contre. Parce que 27, ça met trop de temps à upload. Non. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Plus besoin, non. Donc, faut que je rentre au camp. Je vais pas m'en souvenir, hein. Voilà. Non, c'est comment pour le dézoom? Ah, voilà, c'est R. Ok, il me faudra un véhicule. J'essaie de m'activer vu que c'est que 20 minutes. Voilà, là il y a un véhicule. Ouais, parce que la toute dernière vidéo là, c'était 27 minutes, ça m'a pris 10 heures d'upload sur YouTube avec ma connexion en ADSL. Donc 20 minutes, je pense que c'est pas mal, comme ça je le mets la nuit quand je pars dormir. Je me réveille le matin, puis la vidéo elle est upload, tranquille. Mais du coup, vu que c'est des vidéos courtes, j'essaierai d'en faire souvent. Une tous les 2 jours, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Bon là du coup, je sais plus ce qu'il va me dire d'aller faire. On est bientôt arrivé. Ouais. Ça va. Elle a un bon frein moteur, sinon j'aurais tout cassé. En espérant que ça bug pas trop. La seule monnaie qui sert à quelque chose, c'est le diamant. Oublie tes billets, j'en voudrais même pas pour emballer mon poisson. Quand tu travailles avec la PR, t'es payé en pierre. Bon, un de mes hommes, et pas le plus brillant, a récupéré une mallette de diamant et l'a larguée ici hier. Il les a planqués quelque part dans le camp et s'est pris une balle en rentrant en ville. C'est peut-être toi qui l'as descendu. Bon, quoi qu'il en soit, si tu veux ces pierres, tu fonces les chercher. Il y a un mouchard dans la mallette, tu peux la retrouver avec ta boussole. Si j'étais toi, j'irais m'acheter des médicaments. Tu devrais aller chez Mike's, c'est un bar d'expat. Un bon lieu d'information pour à peu près tout. Fais-toi soigner et viens au bureau de la PR en ville. Je te présenterai à Kouassi, on parlera business. On a fini ici. Ok, donc on va récupérer les diams. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Merci. Ok, non mais ça je sais faire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors en fait, non. Voilà. Donc là vous voyez, mon GPS il clignote en vert, donc ça veut dire qu'il y a un diamant à proximité. Et là le truc c'est qu'il faut que je... Quand ça va arrêter de clignoter, que ça va rester vert, ça voudra dire que c'était là... C'est dans cette direction qu'est le diamant. C'est plutôt pratique un GPS détecteur de diamants, hein. Donc là on l'entend. Je suis proche de la mallette, on entend en fait. Donc je sais que c'est là-dedans, faut que je rentre. Et elle est là. Et c'est pas mal des diamants. Ça fait de la thune. La voiture. Donc là on va aller chez Mike's, c'est un bar, comme il l'a dit. Et par où on y va?
Ok, donc par là, non par là-bas, et ensuite par là. Ouais. Quoique. Attends. Ouais, non, c'est comme ça. Et du coup, ouais, bah non, je vais ranger la carte, ça fait moche. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc là-bas, il y a d'autres mercenaires. Comme moi. Enfin, ils sont pas forcément payés pour tuer le chacal, mais en tout cas, ils sont là pour se faire du blé. Et ce sont des alliés, y a pas. C'est pas des mercenaires méchants. Là, c'est comme une safe zone. C'est que des frères. Allez. Hop. Ça fait plaisir. Oui. Et là, c'est l'armurier. Il est pas là. Ta gueule. On a un petit avant-goût de toutes les armes qu'on peut avoir. Donc là, je vais m'en acheter une. Et vu que c'est le début, j'ai pas débloqué grand-chose. J'ai ça ou ça. J'ai rien d'autre, je crois. Ouais. La roulette, elle marche pas. J'ai le pistolet. Et là, c'est toute la liste des armes. Enfin, bon, bref. Donc, je vais acheter le fusil d'assaut. Et en fait, ce qui est intéressant quand t'achètes tes armes, voilà, c'est ce qu'ils disent. Elles sont en parfait état. Donc en gros, elles vont pas s'enrayer. Parce que si tu prends les armes que tu trouves par terre ou sur les cadavres, elles sont sales. Et du coup, elles peuvent s'enrayer. Elles sont sales, usées, vieilles. Et du coup, il y a moyen qu'elles s'enrayent. Donc là, c'est ma vieille arme. Donc je vais aller prendre exactement la même, mais neuve. Ou du moins bien entretenue. Et voilà. Là, je sais pas si j'ai besoin. Ouais, j'ai besoin. Cocktail Molotov. Ça, c'est pour bah, tout ce qui est les bombes. Et ça, c'est les munitions de base. Ça, ces coffres, après, tu peux payer. Mais ça coûte super cher. Et en fait, tu peux entreposer des armes dedans. Mais j'ai. C'est pas vraiment utile. On peut très bien faire le jeu en s'en passant. Donc là, je dois aller ici, au bar. Merde, la porte elle est là. Là. Non, attendez, je vais revenir pour sauvegarder parce qu'en fait, le truc c'est que. J'avais joué un peu au jeu pour voir. Pour voir s'il marchait bien et tout. Et j'ai eu quelques soucis, quelques bugs qui m'empêchaient d'avancer et de continuer. Donc j'espère que ça va pas arriver dans cette vidéo. Ce serait chiant. Donc on va prier pour que ça marche, pour que tout fonctionne. Et on va voir. Yo, bienvenue chez Mike's. Please bug pas, please. Le meilleur rap de toute l'Afrique, la meilleure piste d'âne du pays. T'es toujours malade? Ce mec peut avoir des médocs. Je m'appelle Warren. Warren Clyde. C'est tout? Ah. Attends, je pouvais. Je te préviens, avec ces pilules, tu vas pisser bleu. Ok, bon. Vous ne saurez jamais. Voilà la fichue cassette. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Que je la prenne? Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Mais non, je suis gentil. Ah oh, putain, ça bug. Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Oh non, rip. Toi, tu veux me parler? Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Toi. Ah, attends, je peux le. Vous n'êtes qu'un fasciste. Je peux faire un truc là avec lui. Je te préviens, avec ces pilules, tu vas pisser bleu. Ok. Vous n'êtes qu'un fasciste. Ok, C'est bon. tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recharger la sauvegarde. Attendez, il est quelle heure là? 42. Ok, donc ça doit être ça. Non, c'est celle-là. Charger. Désolé, c'est les petits bugs. C'est un vieux jeu. En espérant que je ne doive pas relancer le jeu complètement. Parce qu'il me semble que c'est ça que j'avais fait pour débugger. Ouais.
chez Mike's. Je m'approche pas trop pour pas pour éviter que ça me fasse bugger. La meilleure piste d'âne du pays. T'es toujours malade? Ce mec peut avoir des médocs. Je m'appelle Warren. Warren Clyde. Bon. Je te préviens, avec ces pilules, tu vas pisser bleu. Oui. Vous n'arrêtez jamais. Voilà la fichue cassette, d'accord? Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Mais non. Je suis gentil. Attends, si je me mets comme ça. Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Oh là là, t'es lourd. Eh bien, vous n'allez. Vous n'êtes qu'un fasciste. C'est tout. Bon. C'est tout. Vous n'êtes qu'un fasciste. Et si je sors et que je re-rentre? Ah ouais, mais je crois que je peux pas sortir. Ouais, c'était ça le problème. Je dois une pierre chandelle. Si tu te retrouves un jour dans la merde, je te préviens, avec ces pilules, tu vas pisser bleu. Je peux pas me baisser, non, je peux rien faire. Ah! Non! Il s'en était rendu compte que j'étais gentil. Oh putain! Non mais je suis pas fasciste, je te promets. Je te le promets. Eh bien, vous n'allez pas la détruire. Allez, je bouge plus. Attendez, vous n'êtes pas ici pour les cassettes, c'est ça? Oh putain, merci Dieu. Enfin Dieu merci. Le prêtre vous aidera. J'espère que vous tiendrez le coup. Merci de vous faire passer ça. On peut pas briser un homme comme vous pourriez briser un chien ou un cheval. Ah merde, ça met pas pause. Plus tu frappes un homme, plus il se tient. J'explique après. Quoi? Oh non! Elle est trop bien, c'est... franchement le chacal il dit vraiment pas de la merde. Enfin il dit vraiment, c'est intéressant ce qu'il dit, tu te rends compte du personnage. Je vais la repasser tout de suite la cassette. Enfin si je peux. Ouais. Quoi, il faut qu'on parle encore? J'étais sérieux à propos des cassettes. Ouais bah. Tu veux que je l'écoute? On ne peut pas briser un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval. Plus tu frappes un homme, plus il se tient droit. Non, tais-toi par contre. Un homme, pour le soumettre, il faut briser son esprit. Les hommes pensent qu'ils peuvent se battre dignement, qu'il y a une façon humaine de tuer quelqu'un. C'est absurde, ça nous anesthésie. On a besoin de cette idée pour endurer l'horreur sanglante du meurtre. Tu dois détruire cette idée. Montre-leur à quel point le meurtre est une chose terrible et sale, et ensuite, montre-leur combien tu aimes ça. Tire pour blesser, et après va exécuter les blessés, brûle-les. Prends-les en combat rapproché, détruis leurs idées toutes faites et tu deviendras leur monstre. Quand ils te craignent, tu deviens plus fort, tu deviens meilleur, mais n'oublie jamais que c'est du bluff. C'est une posture, comme le rugissement d'un lion ou comme un gorille qui se cogne la poitrine. Si tu oublies ça, si tu succombes à l'horreur, tu deviens le monstre. Tu te retrouves diminué, tu ne vaux pas mieux qu'un homme, et ça, ça peut être fatal. Voilà, on voit un peu le personnage. Ou des cassettes. Ouais. Je peux sortir ou faut te parler? J'étais sérieux à propos des cassettes. Bon, je pense que je peux sortir, j'espère. Ouais, là je peux. À vos deux partes. Ah, donc faut que je parle à lui. J'étais sérieux à propos des cassettes. Non? J'étais sérieux à propos des cassettes. Ouais, mais. Putain, arrête. Je veux pas que ça bug. Je dois une pierre chandelle. Si tu te retrouves un jour. Je te préviens, avec ces pilules, tu vas pisser bleu. Oh my god. Les gars! Ah! Voilà, allez, ta mère! Ah, mais. Vas-y, parle-moi. Dis-moi des choses. J'étais sérieux à propos des cassettes. Donc, vous n'êtes pas des leurs. Je m'appelle Ruben Oluwagenbi. Je suis un correspondant local. Vous venez d'arriver, je le vois, à l'état de vos vêtements trop propres. Vous prenez des risques en me parlant. Je ne suis pas très apprécié ici. Les chefs de guerre veulent que je parte. Ils n'aiment pas ce que j'écris. À propos de la guerre et d'eux, forcément. Mais j'écris surtout sur le chacal, le fameux trafiquant d'armes.
C'était lui sur la cassette. Vous savez, j'ai couvert 16 conflits en Afrique. 16. Et à chaque fois, il était là à vendre ses armes et gagner une fortune, alors que des millions de gens souffraient et mouraient. Il croit qu'il peut continuer son business en secret. Mais pas cette fois. Toutes ces histoires vont être révélées. Celles du chacal, celles des chefs de guerre, les exactions, les enfants soldats et même les ONG. Je vais déballer tout ça. Ça paraît dramatique, mais quand ils verront ça, je suis pas sûr que les gens réagissent. Je suis censé faire quoi? J'ai peur de bouger moi maintenant vu qu'il me raconte des choses et tout. Oh attends, toi t'es un petit nouveau, j'oublie jamais un visage. Moi c'est Paul, tu travailles en... Paul Ferenc. Je suis vraiment bon tu sais. J'étais dans l'armée israélienne, je sais me débrouiller. Et je sais où on trouve les trucs, tu vois. C'est bon les gars, j'ai le droit. Please, l'endroit maudit, je peux en sortir? Ouais. Ok, on va sauvegarder. On va sauvegarder direct. Je crois qu'il y a une touche pour les sauvegardes rapides. Je me souviens plus laquelle. Je regarderai ça pour le prochain épisode. Si j'y pense. Hop. Hop. Accepter. On a perdu pas mal de temps. Je vais faire durer un petit peu plus l'épisode. Genre 22, 25 minutes. Plus 22. Hop. Donc là, on va aller voir... le père à l'église, il va me donner des médocs. Et là, il y a un diamant, comme vous pouvez le constater. Et je sais où il est, je m'en souviens. Donc là, faut prendre la machette qui est... voilà, qui est là. Hop. TG. Hop, 2 diamants. La propagande, ça va 2 secondes. Et donc là, pareil, hein, les panneaux GPS. Pas de soucis avec ça. Si j'avais bloqué la voiture, je me serais pendu. Ah ouais, là aussi, un diamant. Je sais où il est, je m'en souviens. Ah ouais, il est par là normalement. Sept diamants. Pas le droit de sortir les guns. Ah ouais, dans la ville, il y a un diamant aussi, mais on va éviter parce que c'est le ghetto. Enfin, si je tire, voilà. Voilà ce qui se passe si je tire. Ou si je leur vole leur thune aussi, ils vont pas apprécier. Donc il est là-dedans, mais il y avait moyen de le prendre en scred, mais ça va être chaud. Mais je vais essayer. C'est quoi la sauvegarde rapide là? Option. Jeu. Non. Ça doit être dans les touches. Commande. F5. Ok. Ok, parfait. Pour se baisser, c'est. Quelle touche? Je me souviens plus. Voilà, c'est C. Si tu veux avoir des problèmes, continue d'avancer, crétin. Non. Et il est où le diamant? Bon bref, on va carrément prendre celle-là. C'est pas grave. Tentera une autre fois quand ce mec-là il sera barré. Ouais, donc là on va prendre les médocs. On va voir un peu ce qu'on nous dit. On va peut-être récupérer. Donc attends. Non, mais c'est bon.
Donc c'est par là, ok. Normalement, il y a un trou où on peut rentrer. C'est là où je par là où je m'étais échappé. Enfin, je peux rentrer par la grande porte, hein, mais. Moi, je les aime pas, les gardes. Je cherche trop la merde. Mon père. Désolé, il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Ah, oh, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie. Il a quelque chose pour moi. Aïe aïe aïe, ma tête. Retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Donne. Je crois que vous... Oula oula oula. Oui, il est possédé. Oh putain, H, ok. Ça ne fera effet qu'un moment, mais je sais comment en avoir plus. Mm-hmm. Tous mes paroissiens ne sont pas partis. Beaucoup sont coincés par peur des représailles s'ils se faisaient prendre en train de s'enfuir. Et d'autres ont choisi de rester. Nous essayons d'apporter de l'aide et vous pourriez nous être utiles. Ok. Vous devriez revenir quand vous aurez besoin. T'inquiète, t'inquiète. Donc là, je vais aller choper des missions à la PR, je pense. Ah, terminer le didacticiel. Planque, les postes de garde et les démons. Yeah. Ça, c'est les bus, c'est pour se TP, faut aller au bus. Ouais. Ah oui, les missions d'assassinat et les convois d'armes pour en débloquer de nouvelles. Nom du chacal, chaque balle. On va directement à lui. Trouvez-le et abattez-le. Donc on va choper l'autre mission en 2-7. Hop. Quoique non, vous savez quoi? On va s'arrêter là comme ça, là on aura l'esprit frais pour la mission principale. Parce que c'est ça les missions principales en fait. Voilà. On va se quitter là-dessus, c'est plutôt joli. Donc, bah moi je vous dis à plus les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, des commentaires pour me dire un peu ce que vous pensez de la vidéo. Ça me ferait plaisir. Salut!